Merci à David qui nous rejoint pour parler de l'intérieur. Et moi, je vais commencer par vous donner quelques informations concernant cette maladie, de manière à ce que vous puissiez suivre la suite. Donc, la mucoviscidose, qu'on va abréger CF, c'est une abréviation universellement reconnue pour cystic fibrosis, le terme anglais. C'est la maladie donc la génétique la plus fréquente en Europe. Environ 1 000 personnes touchées en Suisse, 70 000 dans le monde. C'est une maladie qu'on dit autosomale récessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez qu'on hérite du matériel génétique, des chromosomes, de chacun de nos deux parents. Dans le cadre de la mucoviscidose, le terme autosomal veut dire que c'est une maladie qui n'est pas liée au sexe. C'est donc d'autres chromosomes que ceux qui sont liés au sexe. Et qui est récessif, ça veut dire que les parents transmettent un gène anormal à l'enfant malade. Donc il y a deux gènes anormaux. Vous avez ici un schéma, ça n'a pas l'air de fonctionner, où vous avez en bleu clair le gène normal, c'est un schéma bien sûr, et en bleu foncé le gène muté. Donc quand un couple a chacun un gène de ces deux gènes anormal, eh bien il a une chance sur quatre d'avoir un enfant qui n'a aucun gène anormal. Il y a deux chances sur quatre d'avoir un enfant qui a un seul gène anormal, et il y a une chance sur quatre d'avoir un enfant qui a hérité des deux gènes anormaux. En Suisse et en Europe, dans la plupart des pays, une personne sur 25 est porteuse d'un gène anormal, mais ne le sait pas parce que ces personnes sont en général asymptomatiques. Donc dans cette salle, il y a des gens qui probablement ont un gène anormal sans le savoir. De quoi est responsable ce gène anormal? Il est responsable d'une déficience d'une protéine qui s'appelle CFTR. Cette protéine, elle est importante pour régler le transport de chlore et de sodium au travers des cellules qui font des sécrétions. À quoi sert le chlore et le sodium? Eh bien, ils sont très importants pour régler le fluide, le liquide des sécrétions. Je vous montre ici une petite vidéo qui va vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe. Vous avez donc ici une personne avec des bronches, et c'est une maladie des bronches, où vous avez ici en surface des bronches des petits cils qui battent de façon coordonnée, synchronisée, et qui permettent aux sécrétions qui s'accumulent dans les bronches d'être évacuées de la périphérie jusqu'à la bouche où elles sont ensuite dégluties. Ces sécrétions, elles vont permettre de capter la poussière, les microbes qu'on respire tous les jours, et de les éliminer de la surface des bronches pour éviter des infections. Si on va regarder un petit peu plus en détail, vous avez ici les cils qui battent de façon régulière. Vous voyez qu'il y a du liquide, ces sécrétions bougent. Et si on va un petit peu dans le détail de la paroi d'une de ces cellules, vous voyez que vous avez ces espèces de canaux à travers lesquels passent ces petits points verts qui sont des ions chlore et des points blancs qui sont des ions sodium. Et vous voyez qu'ils trafiquent comme ça à travers la membrane de la cellule. Et il y a ces petits points bleus. Ces points bleus, c'est l'eau. Et l'eau va accompagner ces mouvements hydriques et va permettre aux sécrétions d'être suffisamment liquides. Si on va plus au fond dans la cellule, et là on est dans le cœur même de la cellule, dans ce qu'on appelle le noyau de la cellule, vous avez ici en jaune le gène de la mucoviscidose, qui est donc deux fois représenté chez l'individu normal. Alors vous avez ici de nouveau cette membrane cellulaire qui fonctionne correctement. Si le gène CFTR est anormal, la protéine CFTR va être ou absente ou ne pas fonctionner correctement. Et vous avez ici un exemple donc du bas de ce port qui marche bien. Et vous avez ici une situation d'anormalité de mucoviscidose où vous voyez que ces ions verts n'arrivent pas à traverser ce canal qui fonctionne pas. Quelle est la conséquence de ce problème et ce défaut de trafic du sodium et du chlore? Eh bien, en surface de la cellule, vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus de transport de chlore et de sodium. Les sécrétions vont devenir beaucoup plus visqueuses, beaucoup plus épaisses. Et dans cette situation, les cils auront beaucoup de peine à bouger parce qu'ils sont pris dans cette espèce de mucus. Le mucus est toujours encombré de microbes, mais n'arrive plus à s'évacuer normalement. Et vous avez ici ces petits ronds bleus qui sont des globules blancs qui vont venir essayer de s'attaquer à ces microbes. Et vous allez avoir le développement progressif d'une inflammation des poumons
par incapacité d'éliminer ces sécrétions correctement. Donc voilà un petit peu le problème de base qui se passe au niveau des poumons. Vous avez la même chose qui va se passer dans d'autres organes. Et en l'occurrence, comme je le disais avant, les organes qui fabriquent des sécrétions sont touchés. Vous avez donc les voies ORL, les poumons. Vous avez aussi le foie. Le foie fabrique la bile. La bile, c'est une espèce de savon qui permet de dissoudre les graisses. La bile a tendance à stagner dans le foie, n'arrive pas à s'évacuer correctement. Ça peut faire chez certaines personnes une inflammation du foie. Au niveau du pancréas, vous avez deux fonctions du pancréas. Les enzymes du pancréas qui permettent la digestion, les enzymes pancréatiques. Et vous avez aussi l'insuline, qui est une hormone qui permet de contrôler les taux de sucre. Le pancréas est un des organes les plus rapidement touchés et même touché de façon in utero, donc même avant la naissance. Et il y a souvent un dysfonctionnement complet du pancréas très tôt dans la vie. Le tube digestif est aussi couvert de sécrétions qui permettent au transit, au bol alimentaire de transiter correctement, et ça peut s'accompagner d'une constipation quand les sécrétions sont insuffisantes. Au niveau des organes génitaux, eh bien, les hommes sont presque tous stériles. C'est une stérilité qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vase déférent, qui est le canal qui transporte les spermatozoïdes des testicules jusque dans l'urètre. Donc il y a des spermatozoïdes qui sont fabriqués, mais qui ne migrent pas au bon endroit. Au niveau des femmes, il n'y a pas de défaut particulier. Et la peau est également le site d'une anomalie. Alors, ce n'est pas une situation grave la plupart du temps. La sueur est salée. Et d'ailleurs, vous le verrez, c'est une anomalie qu'on va utiliser pour le diagnostic. Ça peut poser problème lors de situations de temps chaud, d'activité physique où on transpire beaucoup, où là on peut perdre beaucoup de sel par la peau. Alors, un petit peu plus en détail, je vous ai dit donc CF mucoviscidose, vous avez les poumons et la sphère ORL qui sont touchés. Quelles sont les manifestations de ces organes? Au niveau pulmonaire, c'est des infections respiratoires chroniques. Des bronchiectasies, qui sont des dilatations des bronches à force d'inflammation. Il peut survenir des saignements pulmonaires. On peut avoir des sinusites chroniques, des polypes dans les sinus. On peut avoir des allergies respiratoires qui sont assez fréquentes dans cette maladie. Et la résultante de tout ça, c'est une toux, des expectorations qui sont collantes, visqueuses, infectées, une insuffisance respiratoire et malheureusement, dans des situations sévères, le décès. Voici ce que sont des bronchiectasies. Vous avez ici sur la droite un poumon normal. Sur la gauche, vous voyez que les bronches qui sont dessinées dans le poumon deviennent un peu anormales, grossières, et ça représente des dilatations des bronches. Dans ces dilatations des bronches vont s'accumuler le pus et les microbes. Au niveau digestif, on a le pancréas dont je vous ai parlé qui peut être totalement dysfonctionnel. On peut aussi avoir des pancréatites. C'est plutôt dans des situations peu sévères. Une insuffisance du pancréas, donc avec les enzymes dont je parlais, le diabète. On peut aussi avoir des calculs biliaires. La vésicule accumule de la bile qui est trop visqueuse et qui finalement forme des petits cailloux. Et si cette situation persiste ou s'aggrave, ça peut conduire à une cirrhose biliaire. Et la conséquence de tout ça, c'est une malabsorption des graisses principalement, une insuffisance en vitamines, des problèmes de croissance chez les enfants, une malnutrition, une ostéoporose, une obstruction digestive. Et enfin, l'aspect urogénital, où vous avez cette agénésie des vases déférents, donc cette anomalie chez les hommes et chez les femmes, notamment dans des situations de maladies pulmonaires avancées, une insuffisance du plancher pelvien, avec souvent une incontinence urinaire. Voilà en 1949 ce qu'était un enfant qui souffrait de mucoviscidose. Donc c'est un petit enfant que vous voyez malnutri, avec un gros ventre, des membres qui sont extrêmement amaigris. Et puis sur la droite, vous avez des poumons. Vous n'êtes pas des spécialistes du poumon, mais enfin, ces poumons sont anormaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On va essayer, et c'est ce qu'on a fait en fait toutes ces décennies, de traiter les conséquences de la maladie. Donc, on va faire de la physiothérapie respiratoire, on va essayer d'éliminer les sécrétions. On donne des aérosols pour fluidifier ces sécrétions, des aérosols mucolytiques.
On va avoir recours à des antibiotiques pour essayer de traiter les infections récurrentes, des antibiotiques qu'on peut donner ou par la bouche ou par la veine ou parfois même en inhalation. On peut parfois avoir recours à des résections pulmonaires partielles. Dans les cas de saignement pulmonaire, on va boucher les vaisseaux pour empêcher que ça saigne. Et dans des situations où l'évolution pulmonaire est malheureusement sévère, on a recours à la transplantation pulmonaire. On transplante les deux poumons. La mucoviscidose ne récidive pas dans les poumons. C'est une maladie génétique. Et à propos de transplantation, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez à l'entrée, ici, juste près de la table où vous êtes entré, un stand pour la transplantation. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Pour ce qui est du pancréas, du foie, du tube digestif, eh bien, on va recommander aux personnes touchées par la mucoviscidose de bien s'hydrater. C'est très important puisque les sécrétions sont déjà trop sèches, trop visqueuses. On va donner des enzymes pancréatiques pour compléter ce qui manque. On va donner des suppléments nutritifs quand la nutrition est insuffisante, des vitamines, du calcium. Si les patients sont diabétiques, on les traite avec de l'insuline. Et dans les situations de cirrhose biliaire, donc d'inflammation du foie terminale, on peut avoir recours à la transplantation hépatique, qui est quand même beaucoup plus rare que la transplantation pulmonaire. Pardon. Et au niveau urogénital, si les hommes veulent avoir des enfants, c'est possible, mais il faut faire une biopsie testiculaire, prélever des spermatozoïdes et faire en fait une injection du spermatozoïde dans une cellule prélevée chez la conjointe pour faire ensuite une fertilisation in vitro. Et on peut, chez les femmes qui sont touchées par un problème de problème de miction, une tonification du plancher pelvien. Tout ça veut dire beaucoup de médicaments. Donc, quand vous regardez les ordonnances de personnes qui ont la mucoviscidose, c'est beaucoup à prendre et plusieurs fois par jour, plus les traitements par inhalation qui ne sont pas mentionnés ici. Et David va nous en parler un peu plus tard. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Jusqu'à 2011, le diagnostic était essentiellement posé dans des situations où on avait des signes qui nous faisaient penser à la maladie. C'est-à-dire, pour les enfants, par exemple, ce qu'on appelle l'ileus méconial, c'est une obstruction digestive à la naissance qui nécessite une intervention chirurgicale chez le petit. Mais ça pouvait être aussi plus tardif, avec une difficulté à prendre du poids, à grandir, de l'atout, des bronchites récurrentes. Donc ça, c'était ce qui nous amenait à se poser la question d'une mucoviscidose. Le test ensuite, c'était un test à la sueur. Je vous montrerai ce que c'est. Et puis, plus récemment, on complète par une analyse génétique. Le test à la sueur consiste à prélever de la sueur. Alors, il y a différents moyens pour obtenir de la sueur qui va entrer dans cette espèce de petit colimaçon et on va ensuite mesurer dans cette sueur le taux de chlore. Et suivant, le taux de chlore, on a des arguments pour penser que ça peut être une mucoviscidose. Plus le taux de chlore est élevé, plus c'est suspect. Et maintenant, on va faire un petit retour en arrière. Maintenant, vous avez deux, trois informations concernant la mucoviscidose. On va faire un peu d'historique. Mais déjà, il y a à peu près 2000 mutations connues. Donc, vous imaginez que si les personnes qui souffrent de mucoviscidose ont reçu chacun une mutation de chacun des parents, ça permet beaucoup de combinaisons possibles. Mais il y a quand même une mutation, la F508del, qui est la plus fréquente chez nous et 50% des patients suisses en ont au moins une, sinon deux. Cette mutation, elle est apparue il y a 50 à 170 000 années, donc c'est très vieux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez vu cette petite fille des années 50, qui probablement n'a pas survécu longtemps. Donc, c'était une maladie qui malheureusement tuait les enfants avant d'avoir atteint l'âge adulte. Donc, on peut se demander comment cette mutation a persisté si longtemps. Probablement qu'elle devait conférer chez les personnes qui avaient une seule mutation un certain bénéfice. Et ce qu'on suppose être un bénéfice, c'était le fait que pendant les épidémies de choléra, les patients qui avaient une mutation avaient probablement des diarrhées moins aqueuses, moins importantes et qui survivaient comparées aux autres. C'est peut-être une des raisons pour laquelle cette mutation est toujours présente. Au Moyen Âge, on pensait que les enfants qui avaient un goût salé étaient ensorcelés quand on les embrassait. Donc on avait déjà remarqué qu'ils posaient des problèmes.
Un professeur de médecine, en 1606, disait que les doigts ont un goût salé lorsqu'on frotte le front d'un enfant ensorcelé. Donc évidemment, on n'avait pas beaucoup de moyens d'aller beaucoup plus loin. À la fin du 15e siècle, la première description d'un pancréas d'un enfant probablement mort de mucoviscidose. Il faut attendre le 20e siècle avec Guido Fanconi, un professeur de pédiatrie à Zurich, qui décrit deux cas de fibromatose kystique du pancréas avec bronchiectasie. Bronchiectasie, c'est donc ces dilatations des bronches. Et il différencie ça de la maladie cœliaque. Jusque-là, on faisait un peu d'amalgame entre la cœliaquie et la fibrose kystique. C'est probablement la première description de la mucoviscidose. Donc, c'est assez récent. En 1938, une pathologue américaine à New York décrit l'histoire de 49 patients qui avaient une fibrose kystique du pancréas. Et ce terme est resté, comme en tout cas dans certaines langues, comme étant le nom donné à la mucoviscidose. En 1945, on invente le terme de mucoviscidose pour décrire un état d'épaississement du mucus. Et puis en 1946, on comprend que c'est une maladie génétique autosomale récessive. Et il faut attendre 1989 pour la découverte du gène de la mucoviscidose. Donc c'est assez tardif. Ça fait l'objet, deux groupes en parallèle ont découvert ce gène. Ça fait l'objet d'une publication dans Science, qui est un des deux grands journaux de médecine. Vous avez là un enfant qui avait 4 ans à l'époque, qui souffrait de mucoviscidose. Et quand on s'est retrouvé en 1989, on s'est dit, on sait le gène. On comprend un peu comment la maladie fonctionne, on va pouvoir trouver une thérapie. Alors, on a développé un modèle de souris, c'est souvent comme ça qu'on procède. On crée une souris mucoviscidose, mais en fait, cette souris avait une particularité, les souris ont une particularité, c'est qu'elles sont différentes des hommes, dans le sens où la maladie pulmonaire ne s'exprime pas chez ces souris. Elles n'ont pas de problème pulmonaire, par contre, elles meurent très vite d'une obstruction digestive. Donc, ce n'était pas un très bon modèle d'études pour la mucoviscidose. En 1993, donc 4 ans après la découverte du gène, on développe une thérapie génique. On essaie de corriger le défaut génétique par inhalation. Malheureusement, 2 ans plus tard, on se rend compte que c'est très difficile. On induit chez les personnes qui sont traitées des états fébriles, des espèces d'états grippaux qui ne sont pas tolérables. Et en fait, la thérapie génique est mise un peu à l'écart pendant quelques années, elle reprend maintenant en fait de l'ampleur, mais on reste toujours sans thérapie génique utilisable. En 2001, naît le concept de screening néonatal, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépister les enfants à la naissance pour éviter de se retrouver avec des enfants qui ont perdu déjà 2 ans avec une perte de poids, des troubles de la nutrition, de la croissance, dans l'idée que en trouvant la maladie tout de suite, on serait plus efficace pour les traiter. Et puis en 2008, on développe un nouveau modèle animal, le modèle du mini-cochon, qui est probablement un des meilleurs modèles actuellement pour l'étude, mais qui est plus compliqué à manipuler. Et 20 ans plus tard, la découverte du gène, vous avez ce jeune homme qui était l'enfant qui avait 4 ans sur la couverture du premier journal. Et 20 ans plus tard, malheureusement, on n'a toujours pas découvert de thérapie pour cette maladie. Mais on a quand même fait des progrès. Et vous voyez ici l'évolution entre 1930 et 2010. Vous avez en rouge la courbe de survie. Vous avez... je vais voir si ça marche. Voilà. Bon, ça ne marche pas. Vous avez... Donc, en rouge, la courbe de survie, vous avez l'âge ici. Et vous voyez que, indépendamment de toutes les tâches que vous avez sur lesquelles on va revenir, vous avez une progression de la survie qui est quand même nette. Il y a quelques variations, mais globalement, vous voyez que entre 1930-1940, où pratiquement aucun ne survivait, on est maintenant avec des survies qui sont nettement meilleures. Alors, pour ça, eh bien, il y a eu un certain nombre de progrès. Il y a les enzymes pancréatiques qui ont permis une meilleure absorption de la nourriture, la physiothérapie respiratoire qui est essentielle. Et puis on a mis en place des antibiothérapies. Les Danois ont, au début des années 90, instauré des traitements antibiotiques de façon un peu militaire, 4 fois par année chez tout le monde, et ils ont nettement progressé dans la survie chez eux. Ils ont un petit peu donné le ton dans les autres pays. Vous avez
L'ADNase, qui est une enzyme, pas une enzyme, mais enfin une substance qui permet de rendre les sécrétions plus solubles. Et puis, il y a des antibiotiques, des diètes particulières, donc toutes sortes de trouvailles. Et puis, au début des années 90, vous avez la transplantation pulmonaire qui a aussi bouleversé le pronostic, puisque jusque-là, les patients qui étaient en insuffisance respiratoire, malheureusement, n'avaient pas d'autre issue que de décéder. Donc la transplantation pulmonaire a aussi beaucoup permis la progression de la survie. Et maintenant, la suite. Alors, le dépistage néonatal, je viens d'en parler, est-ce que ça améliore, est-ce que ça permet de gagner au fond, c'était un petit peu l'idée de départ. Comment est-ce que ça se passe d'abord? Eh bien, le dépistage néonatal se fait au troisième, quatrième jour de vie. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez qu'il y a le test de Guthrie. Donc, on prélève du sang au talon de l'enfant et on fait des petites taches de sang et on analyse dans ces taches de sang différentes substances. Et ça fait très longtemps qu'on fait ça. Et ça permet de détecter précocement des maladies métaboliques, par exemple, qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent conduire à des catastrophes. Et on a instauré une goutte supplémentaire pour la mucoviscidose en Suisse depuis 2011. Aux États-Unis, c'était un peu plus tôt. Alors, je vous passe les détails, mais dans cette goutte de sang, on va analyser une enzyme qui s'appelle la trypsine immunoréactive, qui est une enzyme qui provient du pancréas. Si le pancréas est abîmé in utero, cette enzyme, elle va augmenter dans le sang. Donc, on va la détecter à la naissance. C'est le témoin d'un problème du pancréas. Depuis là, il y a une cascade d'analyses qui vont se faire. Si cette enzyme est vraiment très élevée, on va faire un test génétique. On ne va pas tester 2000 mutations, on va en tester 7 ou 8 ou 9 qui sont vraiment les plus fréquentes. Et puis ensuite, on va faire un test à la sueur. Enfin, il y a différentes étapes qui, si on reste avec un diagnostic ou une suspicion de mucoviscidose, va conduire la famille, l'enfant et les parents dans un centre de mucoviscidose qui va préciser le diagnostic et, au besoin, prendre l'enfant en charge. Est-ce que c'est utile? Eh bien, oui. Pour les centres qui ont instauré ce dépistage néonatal il y a 25 ans, on voit que la survie est meilleure chez les enfants qui ont été dépistés à l'âge de 25 ans que ceux qui n'ont pas été dépistés. Donc, clairement, le dépistage néonatal améliore la survie et maintenant est instauré de façon permanente. Et pour le reste, on a vu que la thérapie génique était compliquée. Et si on ne peut pas corriger le défaut génétique, est-ce qu'on peut au moins corriger le défaut de la protéine? Il existe 2000 mutations. Comment faire? Potentiellement 2000 anomalies de protéines. Et puis on a deux gènes anormaux. Donc comment est-ce qu'on va s'en tirer? Première chose, c'est que on n'a pas besoin de tout corriger. Si vous avez ici donc la protéine, 100% des protéines, ben 50% sont issues du chromosome de la mère, 50% du chromosome du père. Ça, c'est la situation normale. Dans le cas d'une mucoviscidose, j'ai mis arbitrairement des valeurs plus petites, mais il est possible qu'une des mutations conduise à l'absence complète de CFTR, d'autres à la présence d'un peu de CFTR qui marche un peu. Mais globalement, vous avez une réduction considérable de la quantité de CFTR. Et qu'est-ce qu'on a besoin au minimum pour que ça fonctionne correctement? Eh bien, seulement 25%. Donc, si on arrivait à augmenter la qualité des protéines pour que 25% d'entre elles fonctionnent, on aurait déjà une situation presque normale. Et je l'ai mis en violet parce que c'est un mélange du père et de la mère. Alors, pour simplifier les choses, on essaie de regrouper ces mutations en 6 familles. Vous avez ici donc représenté une cellule, ces petites cellules avec des cils. On a pris une cellule du poumon parce que c'est celle qu'on prend d'habitude. Vous avez cette espèce de petite brosse en haut qui représente les cils. Vous avez ces deux bâtons rouges et blancs qui représentent ce canal chlore qui est normal. Et puis les petits carrés à l'intérieur, c'est le transit de ce canal au travers de la cellule. Donc, il est fabriqué dans le noyau. Ensuite, il est complété, il est formé de façon correcte pour arriver à la surface de la cellule. Donc ça, c'est une situation normale. Vous avez des situations où la mutation est sévère et il n'y a pas de protéine du tout qui est fabriquée parce que la protéine, elle est interrompue dans sa fabrication beaucoup trop tôt pour donner quelque chose. Donc là, il y a zéro CFTR.
Vous avez des situations où le processus est un peu défaillant. La mutation permet quand même un peu de fabrication de protéines, mais celle-ci, elle est en partie détruite par le système de qualité de la cellule. Et puis, une partie arrive quand même à la surface, mais souvent, elle ne marche pas très bien. Vous avez des situations où il y a quand même de la protéine qui arrive en surface, mais elle ne fonctionne pas. Le canal ne fonctionne pas bien. Et puis, vous avez une autre situation, ce qu'on appelle les mutations de classe 4, où c'est aussi un défaut dans la fonction du canal. Et puis, vous avez des situations où le nombre de protéines est insuffisant. Donc, elles sont normales, mais pas en quantité suffisante. Et puis, enfin, vous avez une dégradation accrue, c'est-à-dire que ces pores qui arrivent en surface, au bout d'un moment, ils sont éliminés, puis il y en a d'autres qui arrivent, etc. Et là, c'est une situation où le tournus est beaucoup trop rapide. Donc, ces protéines sont détruites trop vite. Alors, voilà, c'est déjà plus simple. On a 6 familles, c'est plus simple. Alors, ce que certains ont fait, des chercheurs ont fait, ils se sont dit, on va voir si on peut corriger les protéines. Mais on ne va pas commencer par une situation la plus sévère, parce que ça va être la plus difficile. On va commencer par une situation un peu moins difficile, qui est celle où la protéine arrive, mais elle ne fonctionne pas, ou pas bien. Et là, vous avez le nom d'une mutation qui s'appelle G551D, qui est une mutation rare chez nous, fréquente en Irlande, mais qui fait partie de cette famille. Donc, en Suisse, on a à peu près 10 à 15 patients qui ont cette mutation. Donc, ça ne touche pas beaucoup de monde en Suisse. Voilà, donc nous, on aime bien montrer ce genre de graphique, mais je vais vous expliquer en deux mots ce que ça représente. Vous avez en haut une étude, enfin, les 4 panneaux sont les résultats d'une étude qui a été publiée dans un grand journal en 2011, qui a étudié l'effet d'une substance qu'on appelle Calideco, qui a la capacité de corriger le défaut, ou en tout cas en partie corriger le défaut des gens qui ont une mutation G551D. Et vous voyez, ici, on a la fonction pulmonaire. En noir, vous avez les personnes qui n'ont pas été traitées par ce médicament, et la durée de l'étude était de 12 mois. Et en bleu, vous avez ceux qui ont été traités. On voit que déjà à 2 semaines de traitement, la capacité respiratoire s'améliore. Et elle reste, en fait, stable jusqu'à la fin de l'étude. Donc, un bénéfice qui est tout à fait clair. Si on regarde un autre graphique qui est l'espace entre les infections, les personnes qui ont la mucoviscidose ont des infections récurrentes. L'intervalle entre ces infections peut varier, mais on a vu qu'en donnant le médicament, cet espace vraiment augmentait beaucoup. La qualité de vie aussi, alors il y a des questionnaires pour la qualité de vie. Vous avez en noir des personnes qui n'avaient pas le médicament et en bleu, celle qu'il avait, et le score, qui est en fait un calcul de points avec ces questions, montre que les patients qui avaient le médicament étaient améliorés, leur qualité de vie était clairement mieux, ils étaient moins fatigués, ils avaient plus d'allant, donc c'était clair. Puis la dernière chose qui est aussi assez évidente, c'était le poids. Et vous voyez que, en moyenne, les patients qui avaient pris le traitement gagnaient, au bout d'une année, environ 3 kilos, comparé à ceux qui ne l'avaient pas. Donc, clairement un bénéfice, et c'était la première étude qui a montré un intérêt dans une mutation certes rare chez nous, mais qui touche quand même un certain nombre de patients dans d'autres populations. Le problème, c'est le prix. On a discuté du prix à infrarouge il n'y a pas longtemps, prix des médicaments sur le cancer. C'est clairement un prix exorbitant, c'est 14 000 francs par mois. Les nouveaux médicaments qui vont arriver seront moins chers. D'âpres discussions se font avec l'OFSP, mais voilà, là où on en est maintenant. Ici, à Neuchâtel, on a à peu près 6 patients qui sont traités avec ce médicament, parce que depuis la sortie de cet article, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres mutations qui appartiennent à la même famille, qui répondent aussi au traitement avec une très bonne efficacité. Donc en fait, l'Ivacaftor, c'est le Calideco, ce médicament que je viens de vous dire, c'est en fait un nouveau progrès. Et puis, à tel point que Barack Obama, en 2015, à l'occasion du discours de l'Union, vous savez que bon, cette année, le discours de l'Union a été retardé à cause du shutdown aux États-Unis, mais d'habitude, il se fait en janvier. Et Barack Obama, en 2015, avait pris un étudiant qui avait la mucoviscidose à côté de lui et avait discuté justement l'intérêt de cette nouvelle forme de traitement et qui s'appelle justement la médecine de précision, la médecine individualisée, parce qu'on va s'occuper
de traiter les gens selon ce qu'on appelle le génotype qu'ils ont. Alors, maintenant, il faut qu'on s'occupe aussi des patients qui ont d'autres mutations et peut-être des mutations plus fréquentes. Je vous ai dit tout à l'heure que celle qui était la plus fréquente chez nous, c'était la F508del. Il y a à peu près 50% des patients qui sont porteurs de cette mutation, un peu plus que 50%, mais 50% qui ont les deux, hérité les deux des parents. Il y a deux médicaments qui sont maintenant disponibles, pas partout, mais en bonne partie, qui sont l'Orkambi et le Symdeko. C'est des médicaments qui associent deux drogues. Parce que la mutation Delta F508, qui fait partie de la classe 2, c'est une mutation qui fait que la protéine est en partie détruite dans son parcours jusqu'à la surface. Et puis quand elle est à la surface, elle ne fonctionne pas bien. Donc il fallait corriger deux défauts de cette protéine. Et c'est en fait en combinant deux substances qu'on a pu obtenir un certain bénéfice. Donc ça corrige la malformation de la protéine, c'est ce qu'on appelle un correcteur, et ça améliore la fonction, c'est ce qu'on appelle un potentiateur. Mais c'est moins efficace, nettement moins efficace que le Calideco. Mais c'était déjà une brèche pour dire qu'on arrivait maintenant à avoir un médicament qui pouvait être utilisé par la plupart des patients. Maintenant, les progrès continuent. Pendant que ces études sont en cours, il y en a d'autres qui vont démarrer. Et là, on arrive cette année à la fin de deux grandes études avec ce qu'on appelle la trithérapie et qui va permettre de traiter les sujets qui ont la mutation F508del plus une autre, même si elle est très sévère. Et ça va permettre probablement de traiter environ 90% des patients qui ont la mucoviscidose. Et les résultats très préliminaires, ils vont être divulgués en fin d'année. Mais disons, les résultats qu'on a pu obtenir montrent qu'on a une amélioration vraiment très importante, autant de la fonction pulmonaire que du bien-être, que du poids. Donc vraiment quelque chose de très encourageant. Et donc, le choix de ces médicaments va se faire en fonction des mutations. Et en combinant plusieurs médicaments, on arrive à corriger plusieurs types de défauts. Donc, si je reprends le schéma que je vous ai montré par rapport au traitement, jusque-là, on avait des traitements pour traiter les conséquences de la maladie. Et maintenant, on a un traitement pour être en amont, pour traiter la cause. Et donc, on va continuer à faire d'autres recherches sur des traitements antibiotiques, parce que les personnes qui sont traitées par ces médicaments ne vont pas avoir une résolution du problème pulmonaire. Les dégâts qui ont été faits vont rester. Par contre, on peut espérer arrêter la progression de la maladie. Donc, on va continuer à faire des recherches sur des nouveaux antibiotiques, mais on va aussi avoir beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle les modulateurs, ces correcteurs, ces potentiateurs. La thérapie génique, elle n'est pas morte, elle est un peu en retard, mais disons, il est possible qu'à terme, on ait des traitements de thérapie génique qui, évidemment, auraient l'avantage de traiter l'anomalie génétique. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir avoir un gain de survie qui va continuer à progresser ces prochaines décennies. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, j'espère pas. Et puis, je vais céder la parole à David, qui va vous donner un autre éclairage sur cette maladie. Merci. Donc, mon nom, c'est David Hasler. J'ai deux enfants, je suis marié, j'ai une quarantaine d'années et je travaille à 100% et je porte la mucoviscidose, donc le petit bonhomme noir et diabolique des slides précédents. Hein. Donc, je ne vais pas m'étendre sur comment je traite cette maladie au quotidien, mais plutôt quelle influence ça a sur à la fois mon quotidien et sur mon parcours de vie, je dirais, professionnel. Donc, si je dois résumer en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec cette maladie? Ça veut dire que c'est une course de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Donc, par exemple, une journée typique, je me lève le matin, je dois faire 30 minutes de physiothérapie. Donc, je dois inhaler un médicament et respirer d'une manière dont j'ai appris, qui permet en fait de libérer les poumons. Ensuite, je prends le train. Ensuite, une fois que je suis arrivé, j'ai mon vélo. J'ai 15 à 20 minutes de vélo pour arriver au travail. Pendant la journée, je vais des fois au fitness à midi, une ou deux fois par semaine. Je rentre le soir, de nouveau 10 minutes de vélo.
Ensuite, on mange, on couche les enfants. Et je fais de la physiothérapie encore le soir. Donc, vous l'aurez peut-être compris, je traite la maladie avec un mélange de physiothérapie. Bon, je mentionne pas les médicaments ici, hein, il y en a beaucoup, mais je parle surtout de voilà, cette physiothérapie qui prend du temps et du sport. Parce que moi, la physiothérapie, ça m'amène à un certain niveau de bien-être, et si je veux le dépasser, j'y arrive en faisant du sport. Alors, je parle pour moi, hein, ce qui est vrai pour moi n'est peut-être pas vrai pour un autre patient qui a la même maladie. Mais voilà. Et donc voilà, je fais ce traitement plus du sport au quotidien. Donc, si je prends un peu de recul, la maladie, ça ne m'a pas empêché de travailler normalement. Donc, je travaille à 100%, j'ai une carrière, hein, je dirais, normale. Enfin, j'ai fait des études à l'EPFL. J'ai pu partir une année en échange aux États-Unis pendant mes études. J'ai fait mon master en Allemagne chez Mercedes, dans les labos de Mercedes. Ensuite, je suis reparti en Californie travailler un été à la NASA. J'ai fait un doctorat à Lausanne. Et pendant ce doctorat à Lausanne, j'ai pu partir de nouveau un été en Californie chez Sony pour écrire un chapitre de thèse. Une fois fini la thèse, je me suis marié. On est parti 2 ans en Allemagne. Et ensuite, je suis revenu sur Neuchâtel, travailler là à côté au CSEM, hein, pendant 10 années. Pendant ces 10 ans, j'ai eu la possibilité de faire des études en formation continue dans la propriété intellectuelle. Et là, ça fait 2 ans que je travaille chez Bobst dans la région lausannoise, d'où le train d'avant. Ouais. Donc, a priori, rien d'anormal là-dedans. Ça a quand même influencé pas mal mes choix. D'une part, j'ai dû toujours choisir un emploi qui était basé sur le résultat que je donnais, non pas sur ma présence de 8h à midi et de 2h à 6h, parce qu'autrement, chaque fois, j'aurais dû aller voir le docteur Sauty, ça aurait pu poser problème si j'avais ce type d'emploi et que je travaillais à 100%. J'ai aussi dû renoncer parfois, par exemple, j'ai renoncé à aller faire un stage au Japon quand on. Enfin, en tant qu'étudiant à l'EPFL, on pouvait aller au Japon. Mais moi, ça tombait juste au moment où je rentrais des États-Unis. Et quand je suis rentré des États-Unis, je n'étais pas en forme. Pourquoi je n'étais pas en forme? Parce que déjà, j'habitais à Pittsburgh, qui avait un climat un peu humide, qui n'est pas très idéal, je dirais, dans mon cas. Et on avait acheté une voiture avec 2 copains et on avait traversé les États-Unis en voiture. Donc, c'était chouette. Mais pendant 2 mois. Mais donc, 2 mois de voyage comme ça en voiture, c'est difficile d'avoir un traitement continu en faisant de la physio, du sport. Et voilà. Donc, je suis rentré, j'étais vraiment mal fichu. Et donc, je pouvais pas m'inscrire pour repartir au Japon comme ça dans l'inconnu. Il y a aussi le fait que j'ai passé 2 étés en Californie. C'était juste l'été, donc mon domicile est resté en Suisse. Ça a son importance parce que ça veut dire que l'assurance maladie, c'est l'assurance maladie suisse que j'ai pu garder alors que je travaillais en Californie. Parce qu'aux États-Unis, le système d'assurance est privé. Et du moment que on doit contracter une assurance privée et qu'on a une maladie comme la mienne, eh ben on est refusé direct, quoi. Et donc, il n'y a pas moyen de s'assurer en privé. Si on a la mucoviscidose. Quand je suis parti en Allemagne, ça allait parce que l'Allemagne a un système d'assurance maladie publique et donc ils doivent accepter tout le monde. Donc voilà. Aussi, la propriété intellectuelle, d'une part, ça m'intéressait, mais c'était quand même des études assez lourdes sur un sujet assez, en tout cas de prime abord, assez rébarbatif. Une des raisons pour laquelle j'ai fait cet effort-là, c'est que c'était bien payé. Et non pas pour l'argent, parce que bon, quand on est avec cette maladie, on réfléchit assez vite sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on aime faire et profiter un peu de la vie de tous les jours. Mais plus qu'à l'époque, enfin, c'est toujours le cas,
Je connaissais beaucoup de personnes atteintes de cette maladie qui travaillaient seulement à temps partiel parce qu'ils ne pouvaient pas travailler plus qu'à temps partiel. Donc moi, je me suis dit, bon, si je dois travailler à temps partiel pour avoir une vie décente, ben, il faut que je trouve un moyen de gagner suffisamment d'argent. Donc je me suis dit, je fais ce travail-là juste pour avoir cette expérience. Et puis comme ça, au cas où il m'arrive des ennuis, eh ben, voilà, j'aurai un travail suffisamment bien payé. Maintenant, si je reviens au quotidien, donc une fois on avait compté le nombre d'heures que je passais par jour à cause de cette maladie, enfin à traiter cette maladie, donc entre la physiothérapie et le sport. Donc je comptais tout, hein, je comptais la gestion des médicaments, la physiothérapie, le sport, mais aussi le sport, aller au sport, revenir, etc. Et donc, si on compte 2 heures par jour, un peu plus de 2 heures par jour, plus le fait de penduler au travail, plus 8 heures de travail, plus préparer à manger aux enfants quand on rentre à la maison, plus dormir, souvent on arrive à plus que 24 heures. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye de combiner. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une course de tous les jours. Donc, je combine souvent déplacement et sport. Et donc, je me balade à vélo. Par exemple, quand les enfants étaient petits, donc j'ai 2 enfants, 2 jumeaux, j'habitais en haut de la ville de Neuchâtel et je les amenais à la crèche juste à côté. Donc je m'étais acheté une charrette, ce qui fait que le matin, je descendais avec la charrette, amenais les enfants, ça me faisait 10 minutes de sport. Et le soir, je remontais avec, ça faisait 30 minutes. Parce que bah, voilà, ça monte à Neuchâtel, même si les enfants ils me disaient allez plus vite, papa. Je m'étais long pour rentrer, mais toujours est-il que ça me donnait, même quand les enfants étaient petits, donc où il fallait, enfin, qu'ils demandaient beaucoup, ça me permet de maintenir une activité physique. Donc voilà, donc, en fait, ce qui est difficile, je dirais, au quotidien avec cette maladie, c'est pas tellement de faire la physio ni de faire du sport. C'est en fait, c'est de le faire tous les jours. C'est le fait, en fait, de ne pas avoir de repos. En fait, c'est une maladie qui nous. Enfin, on aimerait bien la mettre dans un tiroir pendant 2 semaines, le temps des vacances, puis après revenir. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut sans arrêt trouver de la motivation pour bouger. Ça veut dire faire des sports qu'on aime, parce qu'en tout cas, moi, je n'arrive pas à faire quelque chose que je n'aime pas à long terme. Il faut éviter les blessures, hein, parce que si on est. Voilà. Si, quand je me blesse, là, j'ai des problèmes parce que tout d'un coup, je perds une partie du traitement, je dois faire plus de physio, mais je n'arrive pas au même résultat. Lorsque on est en train de tomber malade, c'est aussi difficile. C'est-à-dire, des fois, on attrape un virus, on se sent fébrile. Alors, la seule chose qu'on aimerait faire à ce moment-là, c'est de se reposer. Mais si je me repose, mon état va empirer. C'est-à-dire que je vais avoir plus la toux, j'aurai plus de peine à respirer. Et quand on a de la peine à respirer, rien que le fait de respirer, c'est fatigant en fait. Et donc après, voilà, c'est un peu le cercle vicieux, ce qui fait qu'à la fin, on doit prendre des antibiotiques. Et les antibiotiques, plus on les prend souvent, moins ils sont efficaces. Donc voilà, donc quand je suis dans cet état-là, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est que je prends mon courage à deux mains, soit je prends le vélo, soit je vais courir 1 heure. Puis là, c'est un peu qui tout double. Mais souvent, ça permet de passer le cap et puis de ne pas prendre d'antibiotiques. Voilà, ça c'est vraiment les moments difficiles. Bon, outre le fait quand on est vraiment malade, mais quand on doit se dire, bon, là, si je fais rien, ben, je vais être malade. Voilà. Un autre point essentiel, c'est qu'il faut avoir un bon médecin. Et puis pour ça, j'en profite pour remercier le docteur Sauty. Merci.